Rangez-vous mieux que ça, on dirait un troupeau là. Allez-y. Bonjour. 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 Willem, ta capuche. Hop. Alors aujourd'hui, on va continuer le cours que nous avons commencé. C'est pas la peine. J'ai fait tout à l'heure la belle. Alors, qui se souvient ce que nous avons fait hier? Qu'est-ce qu'on a fait hier? Lucie? On a lu la parure. Ah. On a lu le début de la parure. D'accord. Top. Bien. Alors, est-ce que tu te souviens de quoi ça parlait, la parure? Bien, alors maintenant que vous êtes calmés, on va revenir un petit peu sur les temps du récit. Joris, s'il te plaît. Quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? Vous vous en souvenez? Pour quelle raison on utilise l'imparfait? Oui, Annie? La description. La description. C'est ce que tu voulais dire, Laura? Ouais. Oui. Quand est-ce qu'on l'utilise encore? La description. Les habitudes. Très bien, Adèle. Et aussi? Les actions. Les actions. On a vu que c'était écrit à l'imparfait et au passé simple. Le passé simple. Joris, Joris, s'il te plaît, tu vas venir au tableau nous parler du passé simple. Comme tu as envie de parler. J'ai pas envie. Je n'en passe pas envie, je demande de venir. Dépêche-toi, on n'a pas de temps à perdre. Oui, allez, je sais pas. Dépêche-toi, Joris. Allez, tout le monde te regarde. T'es bien, on se voit au cirque. Allez, on t'écoute, Joris. Tout ce que tu sais sur le passé simple. Bah déjà, c'est du passé. Oui, tout à fait. Mmh. Mais encore. Eh bien, Joris, je vois que tu as pris ton cours, tu peux retourner à ta place. À ta place, j'éviterai de me faire remarquer jusqu'à la fin de l'heure. Joris, s'il te plaît. Emma, tu veux bien venir au tableau? Tu vas nous conjuguer l'auxiliaire être au passé simple, s'il te plaît. Chut. S'il vous plaît, les filles, là-bas. Chut. Joris, demi-tour. Chut. Joris. Et puis Renté, très bien, merci bien. Emma, tu peux en faire. Avec le leur pouvoir, ça fait pute. Ah, mais ça fait Emma. Ah, mais ça fait ça, mais Joris, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé, Emma? Elle est tombée par terre. Mais bah oui, bravo, c'est bien, mais ça. Ah, bah, c'est bien, mais hein. Alors, tourne à ta place. Vous m'avez l'air bien énervée aujourd'hui. Bon. Alors, ça avance cet exercice? Ouais, c'est dur, mon Dieu. C'est dur? Oh, bah ouais. Regarde, pas le cours au-dessus. On a fait quoi cet exercice? Alors Sébastien, qu'est-ce que ça donne? Oula. Malheur. Oui, Emma. Est-ce que je peux aller voir l'infirmière, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Quelqu'un pour accompagner Emma? C'est pour qui, madame? Pour Emma, t'as pas entendu, je viens de le dire. Quelqu'un pour accompagner Emma? C'est pour elle, je peux le star foutre. Bah, bravo, c'est. Sors ton carnet de soins. Tu me le donnes. C'est bon, c'est.
Délégué, pour accompagner moi, quelqu'un. Il y en a pas. Non, mais c'est bon. Moi, je suis pas envie. Elle est grande. Pas envie. Eh bien, bravo. Alors Emma, est-ce que t'as mangé? Non. Vas-y, dépêche-toi. Mais j'ai pas faim. C'est pas une raison, faut que tu te dépêches. Bon allez, je m'y sers. Ah mais laisse-le. T'as dit quoi là? J'ai pas saisi. Mais... Tu me prends, t'inquiète, elle m'a passé. Hein. Bah oui, mais tu prends où là? Elle m'a donné, y'a rien de mal. Bah c'est pas une maison. C'est juste une pomme. C'est bon les gars, on y va. Qu'est-ce qu'on fout? Je vous dis pas, on va faire une surprise à leur pouf. On va s'y aller. On va prendre ses affaires. C'est où les affaires de l'autre là? Regarde la meuf, elle s'est pas rasée, c'est dégoûtant.
Salut ma chérie. Salut. Ça? Oui. T'es restée avec tes affaires de sport? Oui. Bah, j'avais la flemme de me changer. Ah bon? Oui. On y va? Oui. Allez, allez, parlez les gens. Bonjour. Bonjour. Non, pas aujourd'hui, s'il vous plaît. J'ai quelque chose de très important à vous dire, donc soyez attentifs. Joris, s'il te plaît. Comme vous l'avez certainement remarqué, Emma n'est pas là aujourd'hui. Emma n'est pas là parce qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours. Sa mère nous a téléphoné ce matin, elle était, vous en doutez bien, totalement bouleversée. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé dans la tête de sa fille et nous non plus, nous ne comprenons pas. C'est pourquoi je vais vous demander de sortir une feuille, un stylo. Sur cette feuille, donc, vous mettrez tout ce qui, selon vous, pourrait nous aider à comprendre ce geste d'Emma. Vous étiez ses camarades, peut-être ses amis. Elle a pu se confier à vous. Vous avez peut-être vu des choses dont vous n'avez pas eu envie de nous parler ou qui, pour vous, n'étaient pas très importantes, mais qui, à l'heure d'aujourd'hui, pourraient éclaircir ce mystère. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Emma? Donc, vous n'avez rien à mettre, n'écrivez rien. D'accord? En revanche, même si vous avez des petites choses, vous hésitez, vous ne savez pas si c'est important ou pas, écrivez-les. Je ferai remonter ça dans le bureau de la principale et nous verrons cela tous ensemble. Ce qui s'est passé est très grave, donc je compte sur vous pour être sérieux là-dessus. Et nous aider à comprendre ce qui s'est passé à Emma et surtout à la sortir de cette mauvaise passe. C'était un appel à l'aide, ce qu'elle a fait, et elle compte sur nous et il faut qu'on soit là pour elle. Je vous laisse écrire. Bonjour à tous. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Donc, Monsieur Meillac et moi-même sommes accompagnés de Madame Dupuis, notre assistante sociale, qui va venir vous parler du harcèlement et des risques du cyberharcèlement et de ses débordements. Madame Dupuis. Oui, donc bonjour à tous. Je suis ici à la demande de Madame Serrano, parce qu'effectivement, voilà, vous avez été témoin d'un acte. There's just time. So is it wrong to dance this line? If your heart was full of love, could you give it up? Don't give me up. Don't give.